Bonjour, bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en ce moment. Bienvenue à notre 8e séance de la conférence du renouvellement de l'esprit. Et nous croyons dans nos cœurs que beaucoup de gens sont en train d'être bénis. Et bénis, c'est pendant cette conférence. Et nous bénissons celui qui est assis sur le trône, celui qui nous donne l'être, le souffle et le mouvement. Nous lui disons merci, nous disons merci à Jésus pour tout ce qu'il accomplit. Nous sommes en train de parler des choses très très importantes sur devenir une meilleure version de soi-même. Et nous regardons, nous considérons beaucoup d'aspects par rapport à l'entretien de notre esprit et au travail que nous avons, que chacun a par rapport à son propre esprit. Car l'homme est comme son esprit. Et plus l'esprit de l'homme est fort, plus aussi la vie de l'homme sera forte. Et plus l'esprit de l'homme est faible, plus aussi la vie de l'homme sera faible. Et nous sommes en train de parler des choses très très importantes. Nous voulons commencer aujourd'hui, nous allons parler des esprits imparfaits ou esprits faibles. Et nous allons voir une catégorie dans ces esprits et que nous appelons des esprits frappeurs. Mais partagez d'abord la vidéo. Partagez au maximum cette vidéo. Et parce que nous voulons vraiment décoller, nous voulons vraiment commencer. Et partagez vraiment cette vidéo de partout, dans vos groupes, avec vos amis et qu'on sort. Partagez et pour votre bénédiction et pour aussi les progrès de l'œuvre de Dieu. Une fois de plus, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés, nous avons dit que les hommes sur la terre, nous ne sommes pas identiques, nous sommes différents. Nous sommes différents, nous sommes différents au point de vue corps, nous sommes différents au point de vue âme, et nous sommes différents au point de vue esprit. Tel notre corps, ils sont différents, tel aussi nos âmes sont différentes, tel aussi nos esprits sont différents. Et c'est ce que nous avons dit. Et nous avons dit que plus l'homme, plus la qualité de l'esprit de l'homme est bonne, plus aussi l'homme pourra vivre une meilleure version de sa propre vie. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit et du travail que le Seigneur est en train de faire dans notre esprit. Bien-aimés, vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur à la fin de cette conférence, c'est-à-dire le vendredi prochain, à la fin de cette conférence, je dois prier pour tout le monde qui a suivi cette conférence, même si tu as suivi une seule fois, je vais prier pour que le Seigneur t'aide et que la grâce de Dieu t'accompagne par rapport au travail de ton esprit, afin que tu puisses vivre de nouveauté en nouveauté et par la grâce de Dieu. Je sais que le Seigneur va nous aider en tout cela. Nous avons dit que les esprits de l'homme sont subdivisés, séparés en trois catégories. La première catégorie, nous avons parlé des esprits purs ou des esprits parfaits. La deuxième catégorie, nous avons parlé des esprits bons ou esprits forts. Et c'est là où nous avons tiré quelques aspects des esprits bons. Et la troisième catégorie, nous voulons parler des esprits imparfaits ou des esprits faibles. C'est la troisième catégorie des esprits. Et nous allons tirer quelques traits de ces aspects. Les esprits imparfaits ou les esprits faibles sont en réalité des personnes qui naturellement ont un esprit faible. Naturellement, ils ont un esprit faible. C'est-à-dire, on ne peut pas les classer parmi les forts. Ce sont des gens qui sont naturellement faibles. C'est-à-dire qu'ils sont mauvais naturellement. Non pas parce qu'ils veulent être mauvais, mais plutôt à cause de la qualité de leur esprit. Il y a des gens qui sont mauvais dans leur cœur, dans leur esprit. Parce que leur esprit a cette qualité-là.
Voilà pourquoi nous avons vraiment besoin de travailler notre esprit, simplement parce que on peut naître indépendamment de notre volonté, on peut naître dans cette catégorie, l'esprit qui est déjà imparfait ou qui est déjà faible. Mais on peut aussi le devenir, nous allons voir. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de travailler notre esprit afin que nous puissions être comme le Seigneur le veut. Des esprits imparfaits ou des esprits faibles, je disais que ce sont des personnes qui naturellement ont un esprit mauvais ou un esprit faible. C'est-à-dire qu'ils sont naturellement mauvais à cause de la qualité de leur esprit. Ils sont naturellement mauvais. Et ils sont nés comme ça, ils sont comme ça. Ils ont beaucoup de pouvoir de faire le mal. Et leur souci est de faire des zizanies ou des troubles là où se trouvent les gens. Donc, ils peuvent avoir les soucis de causer des zizanies ou des troubles, mais ils peuvent aussi se trouver directement en train de causer des zizanies. C'est-à-dire, ils sont vraiment des pions. Je peux dire que les diables utilisent facilement afin de causer des troubles, afin de causer des zizanies là où se trouvent les gens. Et voilà, naturellement, ils sont comme ça. Ils ne sont pas de bonnes personnes. Ils peuvent devenir de bonnes personnes, mais leur esprit n'est pas nécessairement bien. Mais aussi, les esprits imparfaits ou des esprits faibles sont aussi des personnes qui ont reçu un esprit. C'est-à-dire, naturellement, ils ne sont pas comme ça. Mais par transfert, parce que l'esprit peut se transférer, ils ont obtenu l'esprit d'une personne de sa famille qui est déjà morte. Ça, c'est un phénomène que je vais vous expliquer, peut-être dans d'autres conférences, mais vous allez aussi beaucoup comprendre ça. Donc, des esprits imparfaits ou des esprits faibles sont des esprits des hommes déjà morts, mais que le diable utilise pour détruire la destinée de beaucoup de gens dans beaucoup de familles, dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de villages. Voilà pourquoi vous pouvez avoir, par exemple, des personnes qui, en réalité, vous n'êtes pas de même famille. Peut-être vous êtes seulement dans le même quartier, mais qui, la qualité de leur esprit, du fait qu'ils sont mauvais, ces personnes, ils ne vous acceptent pas et ils vous causent des problèmes. Mais vous ne comprenez pas, la personne vous cause des problèmes, pourquoi? Or, le diable utilise cette personne par la qualité de son esprit, juste pour avoir accès dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons aussi faire très attention avec des gens avec qui nous vivons. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec nous, peut-être dans la même famille, ou alors, pas dans la même famille, mais peut-être dans le même quartier, dans le même environnement, mais que le diable utilise d'une manière mauvaise. Bien-aimés, vous savez, il est très très important, très très important de comprendre que les esprits faibles sont aussi des esprits des hommes déjà morts. C'est-à-dire, l'esprit est immortel. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, Dieu peut utiliser l'esprit de cette personne-là et le diable peut aussi utiliser l'esprit de cette personne-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a des gens qui vivent avec l'esprit d'une autre personne. Je prends un exemple facile parce que quelqu'un me dira, mais comment Dieu peut utiliser l'esprit de quelqu'un qui est mort? Écoutez, Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Et qu'on comprenait que Dieu a pris l'esprit qu'Élie avait, il a donné à Jean-Baptiste. Mais Élie était déjà mort à ce temps-là. Quand Jean-Baptiste est né, Élie n'existait plus. Donc Dieu peut faire le transfert de l'esprit de quelqu'un comme ça là. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui, mais qui portent l'esprit de leurs ancêtres, c'est-à-dire de l'un de leurs ancêtres, et ils ne portent pas ces esprits d'une manière satanique, mais parfois ils portent leur esprit d'une manière divine. Et parfois ils sont dotés d'une autorité familiale que Dieu leur avait donnée. Ah, les diables, vous savez, ils trichent toujours tout ce que Dieu fait.
Voilà pourquoi si tu veux aussi comprendre ce que Dieu fait, regarde un peu ce que le diable fait. Alors prends ça dans le bon sens et tu comprendras ce que Dieu fait aussi. Ah, nous ne voulons pas dire que le diable doit être notre source d'inspiration, mais c'est une façon de dire que le faux explique exactement la véracité du vrai. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que beaucoup de gens avec qui nous vivons, ils sont nos enfants, ils sont nos femmes ou nos maris, nos amis, mais parfois ils portent l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Et parfois, tu ne sais pas pourquoi ton mari te crée toujours des problèmes. Ou alors ta femme te crée toujours des problèmes. Ou alors tes enfants te créent toujours des problèmes. Or, ils portent un esprit qui n'est pas nécessairement le sien. Alors, une personne comme ça, quand une personne a un esprit d'une personne morte, écoutez, cette personne n'est pas possédée. En réalité, cette personne n'est pas possédée. Quand vous priez pour la personne, vous ne verrez la manifestation d'aucun démon. Mais l'esprit qu'il a, c'est presque tout un démon. C'est-à-dire, l'esprit qu'il a reçu, devient son identité. Et c'est ça qu'on essaie là, on appelle l'esprit d'identification. Les esprits d'identification sont des esprits qui entrent dans l'esprit de l'homme. C'est un esprit extérieur à l'homme, mais qui entre dans l'esprit de l'homme et devient identiquement à cet homme, à cette personne-là. Et voilà, beaucoup de gens, leurs esprits sont modifiés comme ça par les diables, et ils reçoivent maintenant des esprits qu'on appelle les esprits imparfaits ou esprits faibles sont regroupés en six groupes. Je parle de six groupes. Premièrement, nous avons les esprits frappeurs. Deuxièmement, nous avons le groupe ou la classe des esprits perturbateurs. Troisièmement, nous avons la classe des esprits faux savants ou pseudo savants. Quatrièmement, nous avons la classe des esprits légers. Cinquièmement, nous avons la classe des esprits impies. Toutes ces six classes sont les classes des hommes qui existent, mais portant un esprit frappeur, ou portant un esprit perturbateur, ou portant un esprit neutre, ou portant un esprit faux savant ou pseudo savant, portant un esprit léger, portant un esprit impie. Je vais expliquer, je vais tirer quelques traits dans toute cette liste. Peut-être nous allons manquer de temps pour voir toutes les classes des esprits. Je sais comment nous allons nous rattraper. Suivez-nous toujours, soyez branchés dans notre page, soyez vraiment branchés et partagez ça. Et je pense que nous allons nous rattraper pour expliquer encore certains autres aspects. Alors, laissez-moi aujourd'hui vous parler des esprits frappeurs. Les esprits frappeurs sont en réalité une classe dans la catégorie des esprits imparfaits ou des esprits faibles. Donc, quand quelqu'un a un esprit frappeur, cela veut dire qu'il a un esprit faible. Quand nous parlons des esprits faibles, nous ne voulons pas simplement voir quelqu'un qui est faible naturellement, et qui ne cause pas de problèmes. Non! Il a un esprit faible à cause de la qualité de son esprit, c'est-à-dire et son esprit n'a pas la capacité du bien. Donc le bien n'habite pas dans son esprit. Les esprits frappeurs sont aussi appelés les esprits bruyants. Les esprits bruyants ou des esprits brutaux. Les gens sont, quand ceux qui portent cette sorte d'esprit, ils ont, en fait, on les appelle soit des esprits bruyants, soit des esprits brutaux. Je vais vous proposer un texte dans la Bible, dans le psaume au chapitre 104, et je vais lire le verset 4. Psaume chapitre 104, et je lis le verset 4. La Bible dit ceci. Il fait le vent, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs.
La Bible dit que Dieu fait devant ses messagers et il fait des flammes de feu ses serviteurs. Ça, c'est Dieu. La Bible parle de Dieu. Donc, Dieu a la capacité de prendre du vent, le vent qu'il a créé, et d'en faire son serviteur, son messager. Il y a des messagers que Dieu envoie, mais qui portent l'esprit du vent, qui portent l'esprit de flamme de feu, que Dieu a indexé la flamme de feu en eux. Ça, c'est Dieu. Or, comme Dieu, les diables aussi utilisent le vent comme messager. Donc, le diable peut travailler l'esprit d'une personne et cette personne devient... Voilà pourquoi je peux dire ceci. Quand quelqu'un est utilisé par Dieu comme un vent, écoutez, c'est une personne qui amène une révolution. Il peut amener une révolution dans un milieu. Il peut amener une révolution dans une époque. Il peut amener une révolution dans sa génération. Il peut amener une révolution dans un milieu, simplement parce que c'est un vent. Pour Dieu, cette personne, c'est un vent. C'est une flamme de feu. Et le diable, de son côté, fait aussi la même chose. Il utilise des vents comme des messagers. Donc, il prend l'esprit d'un homme, alors il le rend comme du vent. C'est-à-dire, quand quelqu'un a l'esprit frappeur, ou alors l'esprit que nous appelons du vent, et en fait, ce sont des gens qui ont l'esprit comme du vent. Quand quelqu'un a l'esprit frappeur, oui, c'est quelqu'un qui a un esprit comme du vent, c'est-à-dire non stable, et qui frappe n'importe où. La Bible dit que le vent frappe d'où il veut. Le vent frappe partout. Et on ne peut pas contrôler le vent. Et déjà, il y a des gens qui ont de l'esprit comme ça. Comme du vent. Ils frappent n'importe où. Et par moments, c'est difficile de contrôler leur mouvement ou leur façon de faire. Par moments, ils peuvent aimer, ils peuvent refuser la chose et son contraire. Ils peuvent refuser. Donc, ils sont tout à fait compliqués. Mais ce sont des vents. Leur esprit ne sont que du vent. Leur esprit ne sont que du vent. Ce genre de personnes. Quand quelqu'un a un esprit frappeur, son esprit n'est qu'un vent. C'est un vent non stable, souvent causant des dégâts sans être aperçu. Il y a des gens comme ça. Ils causent des dégâts sans être aperçus. Vous savez, quand le vent souffle, et le vent peut faire tomber des arbres, le vent peut causer des dégâts dans des maisons. Le vent peut faire causer beaucoup de dégâts, beaucoup d'histoires. Mais vous n'apercevrez pas ces vents comme ça. Non, le vent, on ne peut pas les voir. On voit seulement les conséquences du vent. Voyez, et des gens comme ça, ils sont tellement malins que par moment, pour savoir que c'est lui qui te casse, c'est lui qui te fait du mal, c'est lui qui vient derrière toi pour te faire du mal. Par moment, c'est difficile. Il peut manger avec toi. Il peut être apparemment bien avec toi. Par moment, quand il te voit, oh, ça va, alléluia. Mais en réalité, c'est lui qui te cause tous les problèmes, tous les dégâts. Il y a des gens comme ça. Et nous vivons avec des personnes comme ça. Et quand tu comprends que tu as l'esprit d'un vent, ou alors, avec d'une manière satanique, ou alors, et tu comprends que tu as un esprit frappeur. Tu dois savoir travailler ton esprit pour que tu deviennes une bonne personne. C'est encore plus possible. Oui. Voilà pourquoi moi, dans la vie, je n'aime pas. Quand quelqu'un me dit, me raconte une histoire, par exemple. Il me dit quelque chose, il me dit, non, parce que, regarde, la chose, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais je ne veux pas que tu puisses dire que c'est moi qui t'ai dit. Si seulement tu me dis ça, tu as toutes les possibilités que je ne croie pas que ce que tu dis est vrai. Moi, j'aime des gens qui disent, papa, je te dis ceci. Et la chose que je te dis ça, par exemple, je te dis ça, 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 contre l'apôtre Lindo. Et je dis ça, 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 contre l'apôtre Lindo. Mais c'est là, tu peux demander à l'apôtre Lindo. Si il nie ça,
Je suis disponible, papa, pour témoigner à sa présence que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Voilà une personne. Voilà un homme. Voilà une personne stable. Ne parle jamais le mal d'une personne tout en te cachant pour que les gens ne sachent pas que c'est toi qui as parlé. Non, ça c'est être réellement un frappeur. Et c'est ce que le Seigneur n'aime pas en nous. Quand tu parles, tu libères une information, alors prends quand même la responsabilité. Prends la responsabilité. En tout cas, prends la responsabilité d'en témoigner ou d'endosser les conséquences. Et c'est ça une personne, une bonne personne. Donc, ceux qui ont l'esprit frappeur, ils causent des dégâts, mais sans être aperçus. Par moments, vous allez vous battre entre vous. Vous allez vous... Et parfois, c'est lui qui a allumé le feu, il est là. Et parfois, c'est lui qui veut faire le sapeur-pompier, hein, de part et d'autre. Donc, il tranquillise ici, il tranquillise là-bas. Mais c'est lui qui a causé tous ces problèmes. C'est un frappeur. C'est un frappeur. Et voilà pourquoi nous devons vraiment travailler notre esprit pour que nous ne puissions pas avoir l'esprit frappeur. Ceux qui ont l'esprit frappeur, ils sont des gens qui sont difficiles ou voire impossibles à saisir. Donc, tu peux ne pas comprendre que c'est lui. Même si tu es là, mais tu ne peux pas le saisir. C'est comme du vent. Hein? Et ces esprits peuvent être les esprits des vivants, comme j'avais dit, tout comme les esprits des gens qui sont déjà morts. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont naturellement nés avec un esprit imparfait, un esprit faible, mais aussi il y a des gens qui vivent avec un esprit faible ou un esprit imparfait, mais qui le sont devenus. C'est-à-dire, ils ont le diable a annexé en eux un esprit qui est en réalité l'esprit de quelqu'un qui est déjà mort. Bien-aimés, suivez bien cet enseignement. Et c'est un enseignement qui va beaucoup nous aider. Et je pense que jusque-là, nous sommes richement bénis. Nous sommes richement bénis. Alors, une fois de plus, partagez cette vidéo. Partagez vraiment cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Je continue et partagez cette vidéo. Les esprits frappeurs sont des personnes qui ont la force de l'esprit pour la destruction. Ils ont la force dans l'esprit pour la destruction. Tant des hommes que des objets se trouvant dans leur environnement. Donc il y a des gens, s'ils disent par exemple que je vais vous causer du tort. Écoutez, ils sont capables même de créer des histoires qui ne sont pas vraies. Soit pour vous séparer, soit pour vous créer des cisanies. Ils ont une force dans l'esprit. Ils peuvent monter une histoire. Si vous n'êtes pas prudent, vous croyez à ça de prime abord. Du coup, vous le croyez. Donc, parce que c'est tellement réfléchi pour monter une histoire comme ça. Mais parfois, c'est faux dans toutes les lignes. C'est du montage. Ce sont des gens qui sont des frappeurs. Qui sont des frappeurs. Ils ont la force dans leur esprit pour faire du mal. Lorsqu'un esprit frappeur vient de... Lorsqu'un esprit frappeur vient de quelqu'un qui est déjà mort, cet esprit se manifeste en forme de fantôme. Hein? Il y a des gens qui vivent. Nous les voyons, ce sont nos frères. Mais en réalité, ils ont un esprit fantôme. Leurs esprits sont des fantômes. Ou un esprit qu'on appelle, qui est en forme d'un esprit de la nature. Vous savez, il y a des esprits qu'on appelle les esprits de la nature. C'est-à-dire, ces esprits prennent la forme tellement naturelle. C'est-à-dire, ils peuvent s'incarner même dans des choses qui existent. Je prends un exemple très facile. Vous pouvez, par moment, passer par un chemin. Et parfois, quand vous passez sur un chemin, si vous passez par ces chemins-là, souvent,
vous connaissez toujours un problème le même jour. Ou alors après que vous soyez passé là, vous connaissez un problème. Or, parfois, il y a seulement un arbre qui est planté dans cet avenir ou dans cette rue. Et cet arbre-là, c'est une incarnation d'un esprit de la nature. C'est-à-dire, le diable prend quelqu'un qui a un esprit frappeur et qui annexe dans cet arbre. C'est un arbre, mais quand toi tu passes, ça t'affecte. Et quand tu n'es pas posé dans la vie chrétienne, dans la vie de prière stable, alors, parce que tu es passé là-bas, et tu as des problèmes. Et il y a des gens même dans ce monde qui se sont dit par exemple que moi je n'ai pas plu dans ces milieux-là. Parce qu'à chaque fois quand j'y vais, j'ai un problème. À chaque fois quand je passe par là, je connais ça, ou je deviens malade. Parce que ce sont même, il y a des endroits où il y a des esprits qu'on appelle des esprits de la nature. Mais il y a des hommes bien-aimés qui ont un esprit frappeur que nous appelons des fantômes. C'est-à-dire, c'est un homme, c'est ton frère, c'est ton mari. Mais l'esprit qui est en lui, c'est un esprit fantôme. Par moment, il frappe sans raison. C'est-à-dire, il détruit sans raison. Hein? Parce que vous savez, les esprits fantômes, en réalité, sont des esprits sataniques. Sont des esprits sataniques, errants, cruels, inutiles et malveillants, qui patrouillent le monde à l'occasion de rien, juste pour faire du mal. Donc même quand nous marchons, quand nous sortons, nous allons par-ci, par-là, il y a des esprits errants, il y a des esprits inutiles, cruels, malveillants, qui circulent inutilement, juste pour faire du mal. Donc, voilà pourquoi il y a des situations qui ne commencent pas par le diable, que le diable récupère seulement. Je prends un exemple. Deux personnes se rencontrent sur un arrêt de bus, et alors, du coup, ils commencent à se disputer. Peut-être pour une sale raison. Il commence à se disputer. Or, il y avait un esprit errant, c'est-à-dire un esprit fantôme, qui passait et aperçoit cette discussion. Parce que c'est vivant, tu ne peux pas le voir comme ça. Ou alors c'est un homme qui a l'esprit fantôme. Et cet homme, son esprit agit. Maintenant, le diable récupère cette situation. Ah, ça n'allait pas dégénérer. Mais voilà, voilà, il commence à se battre. Alors, il commence à se battre. Et finalement, il y a des crimes qui sont faits. Mais pourquoi ils sont arrivés à ce point? Non, la situation avait commencé d'une manière normale. Mais c'est le diable qui a récupéré la situation pour amener ces gens à ce niveau-là. Et voilà pourquoi il y a des gens qui ont commis des meurtres. Hein? Mais qui finalement, ils se sont dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Récemment, ici, on vient de tuer un noir en Amérique. Hein? Ça fait d'ailleurs dégâts à ce moment. C'est le monde entier qui réagit contre le racisme. Mais vous savez, quand on a demandé à ces soldats blancs qui a tué le noir là, hein? Pourquoi il a fait ça? Parce que, écoutez, le noir l'a crié. Hein? Pendant que le blanc a posé son genou sur le cou du noir, il criait, I can't breathe. Hein? Laisse-moi, je ne sais plus, je ne peux plus respirer, je ne peux plus. Non? Il criait, il dit même, pourquoi vous voulez me tuer? Mais celui-là était là plus de 5 minutes jusqu'à ce que le noir est mort. Mais quand on l'a demandé, il dit, je ne sais pas pourquoi je l'ai tué. Ah, je ne sais pas pourquoi je l'ai tué. Mais cependant, il l'a tué. Je ne parle pas de quelque chose qui est passé depuis des années, non. La personne était enterrée, je crois, cette semaine même. Vous comprenez? Pour dire qu'il y a des esprits qui travaillent et qui font faire des choses aux gens sans pour autant que ces gens-là soient possédés. Mais plutôt, l'esprit, les malins s'est identifié à leur esprit et il leur a donné l'esprit frappeur. Bien aimé, écoutez, j'ai vu des couples où ils vivent bien, mais un jour,
Voilà, c'est l'homme qui commence ou c'est la femme qui commence. Ils commencent à s'insulter d'une façon, tu ne peux pas croire qu'ils vont encore vivre ensemble. Ils commencent à se battre, ils cassent des choses, cassent la télé, allez, ils cassent des anciens. Mais en fin de compte, ils réalisent que, mais pourquoi nous avons fait ça? Pourquoi nous avons fait ça? Pourquoi nous avons fait ça? Voilà pourquoi nous devons être prudents avec des gens que nous recevons dans nos maisons et dans le milieu où nous allons. Parce que nous ne pouvons pas devenir une meilleure version de nous-mêmes si nous ne savons pas non plus aussi contrôler les mouvements, les gens avec qui nous vivons. Voilà pourquoi moi, la première des choses que j'ai fait, qui que tu sois, même si tu es mon fils biologique, la première des choses, c'est identifier ton esprit. Je dois d'abord te scanner. Identifier ton esprit, savoir que si tu as quelle sorte d'esprit et quel travail je dois faire, je dois t'aider à faire pour que tu deviennes quelqu'un d'important. Bien aimé, laissez-moi vous dire que le monde ne nous appartient pas. Voilà pourquoi nous sommes obligés de comprendre beaucoup de choses dans ces niveaux pour que nous puissions aller loin comme le Seigneur le veut. Oui, nous vivons avec des gens qui ont des esprits fantômes, hein, qui errent partout, inutilement, qui sont errants et qui sont cruels, qui causent des problèmes inutilement, qui sont malveillants, qui patrouillent nos maisons, notre environnement, sans raison, à l'occasion de rien, juste pour faire du mal. Est-ce que vous pouvez comprendre? Tu peux sortir à l'extérieur et quelqu'un qui est en train de passer et que tu ne connais pas, et finalement la personne t'insulte. Oh, il dit, mais regardez-moi ça. Hein? Que regarde-moi ça. Il t'insulte. Mais regardez-moi ça. Laissez-moi vous dire que nous avons perdu une sœur ici à Londres, hein, qui travaillait dans une station de train et qui, à l'occasion de rien, quelqu'un va venir à ses côtés et il crée un problème et il crache sur lui et il dit, d'ailleurs, j'ai le coronavirus. Et c'était vrai, il avait le coronavirus et cette personne, la dame, a été infectée, j'allais dire. Après quelques jours, il y a des symptômes et quelques jours, il meurt. Mais cette personne a fait ça pourquoi? C'est son esprit. C'est son esprit. L'homme est comme son esprit. Il y a des esprits fantômes, des gens qui sont malades, qui sont poussés par l'ennemi, par leur esprit. Les diables n'habitent pas en eux, les démons n'habitent pas en eux. Mais plutôt, c'est leur esprit qui sont mandatés par l'ennemi. Ils ont un mandat satanique. Par leur esprit. Ah, malheur à toi si tu as un mari comme ça, hein, ou une femme comme ça. Il va te poser des problèmes. Hein. Voilà pourquoi il y a des hommes qui ne restent jamais avec des femmes. Pour lui, toutes les femmes sont mauvaises. Il a commencé avec la première, ça n'allait pas. Là, avec la deuxième, ça ne va pas. Avec la troisième. Mais la personne ne réalise pas que c'est lui qui est un problème. Il y a aussi des femmes qui ne restent pas avec des hommes. Hein? Simplement parce que pour elle, tous les hommes sont mauvais. Non, cependant, c'est l'esprit de cette femme-là, parfois, qui est mauvais. Voyez? Donc, je peux dire quoi? Finalement, ceux qui ont l'esprit frappeur prennent un malin plaisir. Ils prennent un malin plaisir. Je dis bien un malin plaisir. C'est-à-dire un plaisir de faire du mal pour terroriser son environnement. Et ils aiment terroriser l'environnement. À l'occasion de rien, ils peuvent arriver quelque part, ils ont dans leur esprit, hein, une attitude qui veut à ce qu'ils puissent être au-dessus parfois de certaines personnes. Ils peuvent arriver, petit. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire, quoi? Donc, tu comprends? Ce sont des hommes comme ça. Ils aiment terroriser leur environnement. Ils ont un malin plaisir. Et sont en guerre avec beaucoup de gens dans leur cœur. Ainsi, ils aiment porter la main même sur ceux qui sont en paix avec eux. Voyez? Ceux qui ont l'esprit frappeur,
ils aiment porter la main même sur ceux qui sont en paix avec eux. Donc, quelqu'un qui ne t'a rien fait, quelqu'un qui est en paix avec toi, quelqu'un qui est vraiment... Non, mais il est en paix avec toi. Mais curieusement, il veut porter la main sur la personne. Par moment, tu peux te dire, oh, mais pourquoi tu portes la main sur moi? Je suis bien avec toi, non? Voilà pourquoi, bien aimé, dans ce monde, tu peux vouloir être bien avec les gens, mais tu ne réussiras pas d'être bien avec tout le monde. Non, tu ne réussiras pas. Ce n'est pas possible que tu sois bien avec tout le monde. Parce qu'il y a des gens, même si tu lui donnes le maximum de la bonté, mais la qualité de leur esprit va te frapper toujours. Alors voilà pourquoi je te donne un conseil. Hein? Ne cherche pas à être bien avec tout le monde. Non. Parce que ce n'est pas possible. D'ailleurs, la Bible dit, ne sois pas bon en excès. Donc, ne cherche pas à être bon avec tout le monde. Si quelqu'un ne veut pas être bien avec toi, ok, toi au moins, n'aie pas de problème avec lui, mais accepte ça comme ça. Et c'est comme ça que tu vas manifester la meilleure version de toi-même. N'entre pas dans les jets des gens. Quelqu'un peut avoir des problèmes contre toi, mais toi, tu n'as pas de problème avec lui. Oui, c'est lui qui a des problèmes avec toi. Laisse les gens avoir des problèmes avec toi. Mais toi, n'aie jamais de problèmes avec des gens. Et c'est comme ça que tu vas réussir dans la vie. Et bien aimé, je sais que cette parole nous aide vraiment. Cette parole nous aide vraiment. Vous savez, la Bible nous dit quelque chose que j'aime dans les psaumes chapitre 55. Psaume chapitre 55. Je lis le verset 21 et le verset 22. Encore une fois de plus, partagez la vidéo. Vraiment, cette bonne parole, cette bonne conférence, c'est pas bien que tu la suives toi seul. Partagez. Je lis psaume chapitre 55, verset 21 à 22. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Donc, il y a des gens comme ça. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Mais ce sont des épées nues. Oh, écoutez, la Bible dit ceci, il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens comme ça. Je prends ce passage littéralement. Et écoutez ce que la Bible dit. Il y a des gens qui portent la main sur ceux qui sont en paix avec eux. Voilà. Et ils violent leur alliance. C'est-à-dire, même s'il fait alliance avec toi, même s'il s'accorde avec toi, il va toujours faire du mal. Parce qu'il violera toujours, même s'il dit non, 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 tu vois, on va être bien, tu es mon ami, tu es ma soeur, tu es mon frère. Il va te causer toujours des problèmes finalement. Il ne peut pas respecter, parce qu'il a un esprit frappeur. Il ne peut pas respecter les accords. Sa bouche est plus douce que la crème. Quand par moment, quand il parle, oh non, il parle bien. Parfois, il parle, non, il parle, c'est comme la crème. Mais la guerre est dans l'air. La guerre est dans l'air. Même quand ils parlent doucement, tu comprends, je suis. Mais ils ont la guerre dans l'air cœur. Ils ont la guerre dans leur esprit. Ils ont la guerre dans leur esprit. Ils ont la guerre dans leur cœur. Leurs paroles sont onctueuses que l'huile. Leurs paroles sont onctueuses que l'huile. Mais ce sont des épées nues. Donc ce sont des bonnes paroles comme bien garni, bien assaisonné, hein, bien épicé, des paroles bien épicées. Mais en réalité, hein, ils sont des épées nues. Ces paroles sont des épées nues. Il peut te raconter des mensonges, mais il te raconte ça bien, très bien là. Et tu crois, parfois tu crois à une histoire du commencement à la fin. C'était des mensonges bien montés. Oh là là! Les frappeurs.
les frappeurs, quelqu'un qui te fait du bien, toi, malheureusement, toi, tu portes la main contre lui. Hein? Un jour, la Bible nous parle d'un enfant de David qui s'appelait Absalom. Vous savez, Absalom, s'il y avait des combats que David n'a pas pu surmonter facilement, c'était les combats avec face à Absalom. Même quand David a combattu contre Saoul, par exemple, quand Saoul le pourchassait, quoi qu'il était à l'état de faiblesse, c'est-à-dire Saoul était roi, David était un simple messier, mais il n'a pas craint le combat contre Saoul. Il avait de l'assurance, il fuyait, c'est vrai, mais il avait de l'assurance. Et Saoul est tombé entre ses mains, dans les embuscades comme ça, mais il a sauvé la vie de Saoul. Il n'avait pas peur de ces combats-là. Il ne fouillait pas par peur de Saoul, non. Il fouillait plutôt pour protéger Saoul. Il a livré combat avec Goliath, le géant. Et David n'avait pas peur de Goliath. Il a combattu Goliath aisément. Mais contre son propre fils Absalom, là David a fui. Quoi qu'il était à l'état de force, il était déjà roi sur le trône. Il a fui son trône, il a abandonné le trône. Il a fui. Il a commencé à se lamenter. Beaucoup de psaumes que David a fait, il les a fait quand Absalom les pourchassait. David était à l'état de faire, lui s'y plairait parce qu'il ne savait pas réagir. Mais le problème c'était quoi? Je crois que David s'est posé: oh mon fils, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Hein? Je t'ai toujours fait du bien. Tu es mon fils. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Bien aimé, il y a des gens qui nous font du mal sans raison. Il y a des gens qui nous font du mal, qui décrivent, qui dénigrent, j'allais dire. Qui nous dénigrent sans raison. Qui suivent notre réputation sans raison. Et tu trouveras toujours des gens comme ça. Mais que cela ne t'amène pas à être bouleversé. Sois fort. Garde ton esprit fort. Et ne sois pas faible parce que les autres sont faibles. Hein? Peut-être qu'ils réagissent par complexe. Et toi, tu ne connais pas. Sois fort. J'ai dit bien, sois fort. David commença à se lamenter. Absalom, mais voilà. Moi, je t'ai fait du bien. Mais cependant, oui. Alors, ne cherche pas toujours que les gens te fassent du bien. Le même David, un jour, il a épargner les serviteurs d'un homme riche qui s'appelait Nabal. Dans 1 Samuel chapitre 25, la Bible parle de ce Nabal. Hmm? David a fait tellement du bien à Nabal, à ses serviteurs, à ses troupeaux et confort. Mais quand David lui a seulement demandé service, Nabal s'est montré comme tu ne peux pas croire. Il y a des gens, parfois, tu lui demandes seulement une petite chose, mais parfois, tu réalises que c'est comme il avait des problèmes depuis longtemps. Et il a trouvé maintenant l'occasion pour se décharger. Il te décharge de paroles. Tu peux te demander, mais hey, est-ce que il y a un problème? Mais ce sont des frappeurs. Ce sont des frappeurs. Nabal était comme son esprit. Hein? Il était comme son esprit. Mais David ne lui avait fait rien de mal. Écoutez, bien-aimé, dans ce monde, ne pense pas que les gens te feront du mal simplement parce que tu leur as fait du mal. Non. Les gens te feront bel et bien du mal peut-être parce que simplement tu es fort. Tu as un esprit fort. Et les gens, voilà, ils te jalousent. Ou parce qu'ils ont l'esprit frappeur et ils veulent à tout prix te frapper. Vous comprenez? Et je veux que tu comprennes ces choses et que tu mettes ça en considération. Alors, laissez-moi vous donner quelques caractères de ceux qui ont l'esprit frappeur. Premier caractère, quand quelqu'un a l'esprit frappeur, ces gens-là, ils sont à l'aise quand il y a des conflits. Hein? Quand il y a des conflits, les gens comme ça sont à l'aise. Et parfois, ils ont des langages tels que, moi là, avec lui, on ne va plus s'entendre jusqu'à la mort. Il n'a pas intérêt de négocier. Même papa, c'est lui parfois qui a tort.
Mais il est à l'aise quand il y a des conflits. Bien, mais je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été à l'aise quand je suis en conflit avec quelqu'un. Non. Je dois quand même chercher un terrain d'attente, même si nous ne serons plus ensemble comme avant, mais qu'il y ait quand même un calme. Mais ces gens-là sont à l'aise quand il y a des conflits. Deuxièmement, ils sont très provocateurs. Ces gens-là sont très provocateurs. Ils vous provoquent à l'occasion de rien. Ils peuvent vous critiquer à l'occasion de rien. Ils peuvent vous insulter à l'occasion de rien. Ils peuvent gronder sur vous à l'occasion de rien. Ce sont des provocateurs. Puis ils peuvent vous jeter un mauvais œil à l'occasion de rien. Ce sont des provocateurs. Troisièmement, ils se font voir dans des futilités. Ils se font voir dans des... Quand il y a des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, tu verras, ils lui montrent toute leur énergie, toutes leurs forces. Ils se font voir dans des futilités. Et parfois, tu te dis, oh mais non, écoutez, mais pourquoi il n'a pas cette énergie quand il y a des choses importantes? Par moments, ils se font voir dans des futilités. Quatrièmement, ils ont une force silencieuse de destruction. Ils détruisent silencieusement. C'est comme ils mangent et ils soufflent. Ils mangent, ils soufflent. Comme des souris. Ils vous piquent, ils vous soufflent dessus. Et vous pouvez facilement croire que c'est du bon, c'est du bien, mais il te fait du mal. Il peut t'accompagner pour que tu fasses le mal. Tu comprends? Cinquièmement, ils ont une violence rare, c'est-à-dire hors du commun. Par moments, ils sont violents, très violents. Une violence vraiment indescriptible. Une violence terrible. Ils sont violents à l'occasion de rien. Sixièmement, ils sont par moments volontaires massales. Volontaires massales. Pas toujours, pas forcément. Mais il y a des gens qui sont des frappeurs qui volontairement sont sales. Voilà pourquoi, bien-aimés, écoutez. Nous sommes avec des gens, nous rencontrons à l'église, au boulot, au travail, dans des supermarchés, partout là. Mais nous ne côtoyons pas parfois les gens là où ils habitent. Écoutez, il y a des gens, quand tu les vois, bien vêtis, mais rentre là où il habite. Dans sa maison, dans sa chambre surtout. Tu vas comprendre que c'est une personne sale. Parfois, si tu regardes seulement les draps avec lesquels il se couvre la nuit, tu peux te dire que, oh non, cette belle femme-là, c'est elle qui utilise ses couvertures ici-là. Waouh! Donc, ce sont des... Ils ont une saleté que tu ne peux pas comprendre. Il peut mettre la saleté sur le mur. Oui, parce que quand tu entres dans certaines maisons, même les murs sont sales. Les murs de cette maison sont sales. Ils se touchent partout là, ils sont sales. Parfois, ils sont habitués à ça. Mais comment ça? Et ce sont des gens comme ça. Voilà pourquoi quand il y a un enfant qui, dès le bas âge, tu le vois très sale, il ne considère pas la propreté. Attention, travaille son esprit. Parce qu'il peut probablement être un frappeur. Je connais des enfants, j'ai prié pour certains enfants qui peuvent prendre, bien-aimés, qui peuvent prendre vraiment du caca, mettre sur le mur. Vraiment. Écoutez, je vous dis bien, ils prennent du caca, ils mettent sur... Mais parfois, tu ne comprends pas. Mais pourquoi tu fais ça? Et parfois, l'enfant rigole. Mais c'est un frappeur. C'est un frappeur. Ils peuvent jeter la salive n'importe où. Même dans la cuisine, pas Pierre. Pierre, où? Au salon, Pierre. Mais comment ça, toi? Tu jettes la salive partout. Mais ça, c'est quoi, ça? Ça, ce sont des signes, des gens qui ont l'esprit frappeur. Il peut mettre des graffitis horribles, obscènes sur les murs. Je suis déjà entré dans certaines maisons
où il y a des graffitis sur le mur de la maison. Qui a fait ça? Oh non, c'est mon fils qui aime trop mettre des graffitis. Comment mettre des graffitis, hein, sur le mur de la maison? Mais ce sont la qualité d'esprit qui fait ça. Hein? Mais écoutez, même si quand nous sommes à l'église, par moment on achète des nouvelles chaises, et le même jour qu'on a mis les chaises ou le lendemain, on verra des chutes de chewing-gum sur les chaises, collées sur les chaises. Et on peut se dire, mais qui peut faire ça? Des chaises neuves! Mais vous prenez des bazookas, vous prenez des chewing-gum, hein? Vous mettez sur les chaînes, mais quel est cet esprit? Mais ce sont des frappeurs. Mais ce sont des frappeurs. Et nous vivons avec des gens comme ça. Vous devez savoir, bien-aimé, que quand vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez dans un environnement. Et vous devez savoir le travail à faire dans votre esprit pour que vous puissiez vivre la meilleure version de vous-même. Septièmement, ces gens, les gens qui... ils ont l'esprit frappé. Ils ont des manifestations psychologiques non contrôlées. Des manifestations psychologiques non contrôlées. Des réactions non contrôlées. Hein? Ils peuvent être en colère. Ils ont la colère exagérée. La colère non contrôlée. Ils ont une insolence exagérée. À l'occasion de rien, ils peuvent te lancer un mot. Et tu dis parfois, si tu n'as pas de cœur, tu peux dire que cette façon de me répondre, je ne lui parlerai plus. Une insolence incontrôlée ou des attitudes blessantes et grimaçantes. Donc, ils ont des attitudes blessantes ou grimaçantes. Donc, ils peuvent te grimacer par ces attitudes. Ils te voient là, ils changent sa figure. Ils déforment sa figure. Et donc c'est comme il veut te dire, ne me dis pas bonjour. Et quand tu lui dis bonjour, et parfois il fait ça, bonjour. Ah, qu'est-ce que tu dis? Mais vous n'avez pas de problème. Et toi tu dirais ça, mais c'est quoi comme problème? Mais c'est son esprit qui est comme ça. C'est un frappeur. Il veut créer un problème. Donc n'entrez pas dans le jeu des gens comme ça. Hein? Quand ils ont des attitudes blessantes. Quand ils ont des attitudes grimaçantes, n'entre pas dans ces jets-là. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, ils se présentent devant toi avec une sale attitude. Toi, je pense que, et si quand tu as suivi cet enseignement, quand tu connais ces choses, tu dois rigoler, tu dois dire, oh mon frère, oh mon enfant, oh ma femme, oh mon mari, là il est baumé, mais toi tu rigoles. Et parfois, il te lance un mot méchant. Toi, tu rigoles. Tu dis, oh, je te connais, ne t'en fais pas. On est ensemble, ne t'en fais pas. Prends ça cool. Prends ça cool. Huitièmement, ils n'ont pas l'esprit calme. Ils sont par moments très en l'air, pas posés. Ils peuvent commencer quelque chose bien, mais ils sont souvent très en l'air, pas posés. Ces gens-là, quand quelqu'un a l'esprit perturbateur, voilà pourquoi tu peux ne pas avoir l'esprit perturbateur, mais tu peux être visité par un esprit perturbateur. Et toi-même, tu te sens que tu n'es plus calme, tu n'es plus posé, et tu deviens en l'air. Non, maîtrise-toi, calme, calme. Il faut qu'à chaque situation, que tu sois calme devant les situations. Tu vas surmonter, même si la situation est difficile, tu vas la surmonter. Parce que tu vas comprendre que tu as du calme. Et les derniers caractères pour aujourd'hui, ceux qui ont l'esprit frappeur, ils cherchent les occasions pour montrer leur vraie mauvaise face. Ils cherchent des occasions pour montrer leur vraie mauvaise face. Donc, il est là, mais il cherche une occasion. Quand l'occasion se présente, voilà, il va vous montrer ce qu'il est maintenant. Écoutez, le roi Saoul avait tout son staff très fort. Mais il avait quelqu'un à ses côtés. C'était son porteur d'armes. Lui-même n'avait jamais connu que cette personne-là était un étranger. Il cherchait seulement une occasion. Et quand le roi Saoul est tombé sous l'embuscade des Philistins, il n'avait plus de choix. Alors, il a cherché quelqu'un qui peut
lui poignarder, cette personne était bien disposée. Saoul n'avait pas été tué par les Philistins. Saoul n'avait pas été tué par les ennemis. Saoul ne s'est pas suicidé lui-même. Mais Saoul avait été tué par son propre porteur d'armes. Il a poignardé. Et il vient avec cette épée-là, avec du sang. Avec des habits déchirés qu'on sort. Jusqu'au camp. Et c'est alors David va lui demander. Il lui raconte, oh non, écoutez, nous sommes tombés sous la mescale des Philistins et tout cela. Et maintenant, voilà, le roi a dit, s'il y a quelqu'un qui peut le tuer, et moi je l'ai tué. David dit quoi? David a dit quoi? Répète encore. Non, non, je l'ai tué. David lui a posé la question. Écoutez, de qui tu es fils? Ok? Il lui pose la question, de qui tu es fils? Et il dit, mais je suis le fils. Et c'est alors on comprendra que c'était un étranger. Hein? Il dit, je suis le fils d'un Amalécite. Oh là là! Mais comme tu étais toujours là, personne ne savait que tu étais le fils d'un Amalécite. Bien aimé, nous vivons dans un monde compliqué. Dans un monde de salvettes. Hein? Voilà pourquoi tu peux avoir la motivation d'être meilleur dans ta vie. Mais il y a des coquages, il y a des gens qui viendront. Et le diable va utiliser des gens pour t'empêcher ton parcours. Mais je te dis dans le nom de Jésus, dès aujourd'hui, personne ne t'empêchera ton parcours. Personne ne t'empêchera ton succès. Travaille ton esprit. Sois éveillé. Et vis avec les autres d'une manière forte. Ne sois pas faible. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et que le Seigneur te soit favorable. Bien-aimé, merci d'avoir suivi cette conférence aujourd'hui. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont été branchés. Partagez la vidéo. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, ce sont des enseignements rares. Alors, partagez la vidéo et aidez les autres afin qu'ils soient aussi motivés dans leur esprit et que nous puissions être meilleurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci pour tous ceux-là qui étaient branchés. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Et je dois vous rappeler que nous sommes là chaque mardi et chaque vendredi de 12h à 13h, heure de Londres. Notre conférence va vers la fin. Nous allons finir le vendredi prochain. C'est-à-dire, il nous reste 2 séances. Je sais que je ne vais pas finir l'enseignement, mais ne vous en faites pas. Tout de suite, quand nous allons finir, cette conférence, je vais aussi commencer une autre conférence qui sera la suite logique de cette conférence-ci. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les gens après cette conférence. De prier pour les gens dans les secrets. Et je vais prier pour eux. Alors, laissez-moi vous aider ceci. Le Seigneur m'a dit ceci. Que ces gens pour qui je dois prier doivent sceller cette parole par une offrande. Si tu es vraiment béni par cet enseignement, prépare une offrande, prépare un sacrifice. Le mardi prochain, le service va nous mettre les détails bancaires. Là où tu pourras transférer ton offrande. On va mettre ces détails les mardis dans notre séance de mardi prochain. Sois seulement sûr que avant le vendredi ou au plus tard le vendredi prochain, tu as transféré ton offrande. Mais quand tu fais un transfert de ton offrande sacrificielle, le service va nous mettre aussi un lien là où tu peux écrire ton nom et pourquoi tu veux que l'on prie pour toi. Donc, on va te guider là où tu dois écrire et ton nom, parce que tu as envoyé ton offrande. Qu'est-ce que tu as envoyé et qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Donc, je ne sais pas si ça sera une adresse email ou quoi, mais les mardis, on va vous donner toutes ces précisions. Mais je vous en parle comme un parfum pour que vous puissiez déjà vous préparer pour une offrande sacrificielle pour cette bonne conférence qui jusque-là nous bénit
et je sais que le Seigneur nous sera favorable. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette conférence et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime bien. Portez-vous bien. Allez, bye bye.